Remercier Mobali Nangai Makasi. Na bolingoano ye azanango d'abord ya mboka ya bandeko na biso osoki azalaka mobali malamu te ya bandai ko ndimelanga te tango nyonso nazala awa nakende kuna naleka boye natika kaye tango nyonso na bana na biso na ndako nazosenga kaka Nzambe asalisa biso na mboka oyo pour que kimia eumela bitumba esila ba situation nyonso oyo satana zo imposer na mboka oyo nga nazo pamela yango na beni kuna ba enlèvement ba massacre Nzambe akosilisa bitumba oyo etikali kaka muke mususu pa na biso mais bino boyaki malgré ba wana na lingi na pesa bino félicitations na lingi na encourager bino awa boye bozola kisa na mokili mobimba ke kabila za na peuple na ye bango bakalisa ki ke bokobanga bokovanga bokobata bana bandaku bokoyamba milulu oyo te ezali esengo ya kosentir que Bajer baza décidé baza rotelema yangona to sala ki moi marche oyo bona kokanisa bawo batambola ki avant biso il y a 20 ans esengo esengo yesu sumunene koleka nenge mokonzi na biso ya parlement atia ki chiba la premier ministre lobi bolanda ke bona tv après batora baza robeta ba siflo ya stade pao basilisi kobina quand on est au bandage, on peut bien quitter. On peut bien quitter le palais du peuple. On va s'y dire au conseil du parlement. A Jules Marton, tu vas la commis premier ministre. Voyez-t-elle? On peut prendre le photo. Atiki misala zalaki nango ayeto kutana boyete omoni mokonzi ndebo ya zalaka populaire na kati ya population bawe bayete mawatro parce que population oyo esalaka bavoti bango yeyo boyete soki olingi ovotame mbala nsima zalaka nde na biso zalaka zalaka na biso Voilà, les jeunes rénovateurs ensemble pour la victoire. Donc, 17 mai 2018, 21 ans, nous célébrons cette journée, nous célébrons cette présentation. Donc, nous faisons une marche de santé pour commémorer cette libération. Donc nous quittons la première rue jusqu'à la place de la Libération. Donc les jeunes rénovateurs vont se souvenir de cette marche, vont se souvenir de cette libération, ils vont pérenniser les acquis du 17 mai
1997. Voilà, nous sommes très nombreux, ensemble avec Joseph Kabila, jeune innovateur, ensemble pour la victoire, jeune innovateur, ensemble pour la victoire, 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 viva, 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 Joseph Kabila, Maléza, si la réunion est prise. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Jean-Claude, non à Sima. Parce que les politiciens, c'est nous les chefs traditionnels, Je suis un peu plus de temps.
His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Thank you.
Je viens de remplir ce qu'on appelle les devoirs civiques. S'enrôler, c'est aimer son pays. La personne qui ne s'enrôle pas est une personne dangereuse. Parce que la carte que je viens d'obtenir me donne le pouvoir, soit d'être un candidat, soit d'être un électeur qui doit décider sur l'avenir de son pays en choisissant librement le futur dirigeant. Nous voulons demander à ceux-là qui doutent ou qui ne se sont pas encore enrôlés de le faire, ne pas s'enrôler et sorcier. Renforcé, aguerri et déterminé, le FRDC plus que jamais porté au front pour la défense et la reconquête totale de l'intégrité territoriale. Patriotes engagés, nos vaillants soldats font désormais conjuguer les ADEF et autres milices de l'Est au passé. Demain, un air nouvel de paix va souffler dans le Grand Nord. Allez-y, les FARDC. Nous allons nous battre jusqu'au dernier sacrifice, donc le sacrifice suprême, de manière à restaurer la paix et la sécurité dans ce territoire. Le processus électoral en République démocratique du Congo est entré dans sa dernière ligne droite depuis la publication du calendrier électoral le 5 novembre 2017. Cap vers les élections, les grandes dates à retenir. Du 3 novembre 2017 au 31 janvier 2018, finalisation de l'identification et enrôlement des électeurs dans les derniers centres d'inscription du Kasaï, Kasaï Central, Lulu et Kamij. 26 mars 2018, publication de la liste des regroupements des partis politiques devant participer aux élections. 6 avril, décision de publication des statistiques des électeurs par entité électorale. 8 mai, promulgation de la loi sur la répartition des sièges, article 140 de la Constitution, durée 15 jours. 24 juin au 8 juillet, ouverture de bureaux de réception et traitement des candidatures pour l'actualisation des candidatures de députés provinciaux. Retrait de formulaire, dépôt et traitement des dossiers des candidats députés provinciaux, durée 15 jours. Du 1er juillet au 28 septembre, enrôlement des Congolais résidant à l'étranger, durée 90 jours. 25 juillet au 8 août, ouverture de bureaux de réception et traitement des candidatures pour l'inscription des candidatures présidentielles et des députés nationaux. Retrait de formulaire, dépôt et traitement des dossiers des candidats présidents et députés nationaux, durée 15 jours. 25 juillet, publication des listes provisoires des députés provinciaux. 20 août, publication des listes définitives des candidats députés provinciaux. 24 août, publication des listes provisoires des candidats présidents et députés nationaux. 19 septembre, publication des listes définitives des candidats présidents et députés nationaux. Du 8 novembre au 22 décembre, accréditation des observateurs, journalistes et témoins. Du 22 novembre au 21 décembre, campagne électorale. Dimanche 23 décembre 2018, jour des scrutins directs combinés présidentiels, législatifs et provincial. 12 janvier 2019, prestation des serments du président élu. Ensuite, suivront les élections indirectes des sénateurs et gouverneurs pour finir par les élections municipales, urbaines et locales. Message de la Commission électorale nationale indépendante. Bonjour, welcome, c'est Welcome TV. Nous sommes ici en direct ici en Angleterre sur Welcome TV. Alors, nous avons beaucoup d'actualités. Alors, pour commencer, nous avons une image de Mobotala. Vos chefs de l'État, ça y est, dans Katina Mboka. Comme ça, après, dans les zones de la Bissot, bon, on peut juger Bissot Moro. Parce que tout le monde est très sérieux. Alors, suivez cette image. Bon, on a aux zones de la Bissot. Cet homme a hérité d'un pays exsangue et en morceaux en 2001. Cet homme a réunifié, pacifié, réformé le Congo.
Cet homme a donné la première constitution et des institutions stables au Congo. Cet homme garantit la démocratie effective au Congo. Plus de 600 partis politiques, 6000 associations et syndicats, 400 radios et télévisions, 2000 titres de journaux dans une expression libre. Cet homme a construit et réhabilité plus de 15 000 km² de route. Congo Airways, Transco, SNCC, Gécamines, Bâtiment Intelligent, Pomposo et bien d'autres. Cet homme a permis au privé de construire partout au Congo des villas, des immeubles, des entreprises grâce à la stabilité. Cet homme a recruté, formé, équipé les FARDC et la police de la RDC pour la protection des Congolais et leurs biens. 10e armée d'Afrique, Joseph Kabila. Est nécessaire pour le Congo et les Congolais. Alors, welcome back to Welcome TV. Nous venons de suivre les images de Moni Binomoko. Les images sont les images non et les salam. Ils ont bloqué les salam déjà dans le Congo et puis ils allaient. Alors, il y a un peu de bandeko. Il faut être moins que ça. Il faut être moins que ça. Débat, bozo loba, bozo laksa ba image, o ni ne salamana o e salamate, o na tuko laksa bino, eza ba bloko e salama, et puis ezo continue ko salama, ba bloko a bien pesa ko salama. Alors, boumou na souci manje o bon en zongo la bino, parce que le loma solo, vime eza yagi toko awa, to beta ensemble. Oui, j'aimerais préciser que pour arriver à comprendre les produits de mes recherches de 5 ans, il est important de considérer d'abord l'article 70 qui dit que le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Et il faudrait aussi noter l'article 71 précise les modalités d'élection du président de la République. Il est dit dans l'article 71 non modifié, le président de la République est élu à la majorité absolue de suffrage exprimé. À défaut de cette majorité au premier tour, il s'organise un deuxième tour. Et ceux qui viennent en ordre utile, ce sont ceux-là qui sont appelés à concourir au deuxième tour. Lorsque vous analysez l'article 71, pour arriver à dégager la quintessence de la réflexion constitutionnelle et de conséquences des droits, il est important de combiner l'analyse de l'article 71 avec l'article 70 et l'article 74, et vous devez chiter au niveau de l'article 220. Et à ce niveau-là, je me suis servi des différentes règles de droit où nos théorèmes, nos axiomes, nos règles fondamentales qui nous permettent de résoudre des questions de droit. Il s'agit là de la règle de l'immutabilité constitutionnelle. Au-delà de la règle de l'immutabilité constitutionnelle, il y a le principe de parallélisme des formes et de compétences. Et il y a aussi la règle de l'effet immédiat. Au-delà de la règle de l'effet immédiat, et enfin, il y a la règle de la non-rétroactivité. Lorsque vous combinez les différentes règles de droit susévoquées, en application de l'article 70 et 71, vous vous rendez compte que notre constituant, à travers l'article 220, a verrouillé certaines matières. Il a verrouillé, entre autres, le suffrage universel. Le principe, il a été verrouillé. Il a verrouillé le nombre et la durée de mandat du président de la République. En imposant la règle de l'immutabilité constitutionnelle, le constituant originel a voulu qu'une fois que la compétition électorale a été engagée, selon la constitution de notre pays, on ne peut plus modifier, intervenir les éléments en rapport avec l'élection présidentielle. Et il faudrait noter que le régime juridique de l'élection du président de la République consiste à l'ensemble de principes et de modalités qui, effectivement, nous permettent de produire le président de la République. Et l'ensemble des principes et des modalités qui organisent l'élection du président de la République doivent demeurer immuables. Or, en 2006, la première élection, nous nous rendons compte qu'effectivement,
la règle de l'immutabilité constitutionnelle a été respectée. Parce qu'une fois que la Constitution entre en vigueur, une fois que la Constitution est promulguée, au regard de la règle de l'immutabilité constitutionnelle, on ne peut plus modifier les éléments. Et nous nous rendons compte qu'effectivement, à l'élection de 2006, on n'avait pas bougé les éléments en rapport avec l'élection présidentielle. Quels sont ces éléments? Au niveau des principes, les principes du suffrage universel, au niveau du principe, la durée du nombre de mandats, au niveau du principe, le nombre de mandats, mais au niveau de modalité, la modalité directe n'a pas été changée. Mais au niveau de départager les candidats lors de l'élection présidentielle, nous nous rendons compte que aussi cette modalité de désigner les gagnants, de déterminer celui que le peuple congolais a donné le mandat, cette règle-là n'avait pas été modifiée. Alors, welcome back, welcome TV. Nous venons de suivre Bomoni, maître Azali, juriste. Donc, M. Mirindi a expliqué comment est-ce que le président Joseph Kabila Azana doit se représenter juridiquement. Alors, Ezaka a été gagné de Banaï Koloba, selon la prophétie, selon l'état que prophète de l'Éternel, que le président Azana doit se représenter. Alors, juriste peut, vendi, étudier que Azana doit. Alors, on a rejoint la Bino Brutal, la source image après émission. Bongo, on a full explanation, on a expliqué Bino source R Moko. Bonne dans cette image, bonne dans une labino. After this image. Joseph Kabila aza candidat na biso ya 2018, le 23 décembre. Vouloir ou pas, toujours zoyango lissou. Ce boy, kendo luka pe mandu pina yo oya robi misae. Okoti ope zamba oya robi misae. Bonjour, welcome back, welcome TV. Moni bano yo ne balobi. Balobi candidat na biso na élection OESO ya le 23 décembre 2018, c'est le président Joseph Kabila Kabange. Tant na lobara na bino bino mona ngondre ba maseki. Alors ndenge awa langage ya batu tout est changé. Obligatoirement il faut changer parce que dozana dofente, c'est notre président Otolingi ou aza na Congo comme président na biso pour na taimbele. Alors on a dit que ça la passe mais on est là en train de parler de la vérité. Oui, aujourd'hui, il faut passer impérativement par les urnes pour se prétendre remplacer les fils de la promesse. Les urnes renvoient à la volonté de la grande majorité de notre peuple dont j'ai fait partie. Pour nous, on votera Joseph Kabila Kabange ou rien. Si Joseph Kabila n'est pas candidat, donc, la majorité des Congolais ne votera pas le 23 décembre. Pour être guide, il faut connaître les chemins. Joseph Kabila connaît les chemins du bonheur de notre peuple. C'est mon chef, c'est notre chef, c'est notre chef, oui. Et ici, mes camarades initiateurs, je l'aime beaucoup. L'amour de la personne a été une motivation pour voir si seulement la science, sans tricherie intellectuelle, ni corruption des données était favorable à lui. Les constats juridiques furent sans appel. Il a droit et la Constitution est de son côté. Donc, pas d'intimidation, ni peur. La force reste à la loi et belle la loi fondamentale. C'est votre humble serviteur, le pasteur Bienvenu Messalin. Je suis kabiliste, communicateur de la diaspora et président de la Diokaka. Où il a dirigé par le président Fabrice Dzoumbi depuis Kinshasa, partout dans le monde. Et moi, je suis son président ici, au Royaume-Uni, Nakatina, diaspora Mobimba. Alors, on dit que c'est le président Kabila ou rien. On dit que maintenant, le pasteur Bino Bozo, alors officiellement, il a dit. Quand on dit que le président est le bandakala. Moi, je suis prophète de l'éternel. Moi, je parle des choses qu'il y a. Dans le baraté, je suis un peu plus grand que moi. 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 Je suis avec force que le 23 décembre, candidat de c'est le président Joseph Kabila. Alors, tous les communicateurs de la diaspora, oh, tous les communicateurs de la majorité, langage n'a pas obligatoirement il faut changer.
Langage à rebattre à mes assoutés. Langage na bango, c'est le président Kabila qui est notre candidat. Langage yangwana, yango moni chadar a le bien on peut clair. Donc n'importe quel zoloba, étant que kabiliste eza bongo, lobby juriste mon na kina benga yenga. Abenga bi me pasteur, tu aimes beaucoup ton président Abi. Oui, je l'aime beaucoup. Nabi yo linga gete. Abi on a linga kaye. Abi langa oh. Aux membres PPD, ils sont à Londres, PPD à la raté. Parce que PPD aux Andes, parce que les combattants ont régné côté, ils ont battu l'intimidation. Ceux qui PPD à l'île, ils ont banana, ils ont président, PPD, ils ont président, PPD au banc, ils ont PPD à l'été. Oh, Abidon, ils ont supporté. Moi, je suis kabiliste, je supporte le chef de l'État, la personne de Joseph Kabila Kabang. Ils ont dit, ils ont dit, ils ont parti, ils ont dit, ils ont dit, oh. Donc ça monte à IDPS l'ingano président. Oui oui, nous avons IDPS. Ah donc c'est que Félix pas l'ingano. Habité à côté Félix, c'était à l'autre côté il y a Bruno Tshibala. Habité dans la pasteur, nous avons IDPS na Congo, nous avons Amoko, oh il y a Bruno Tshibala, oh il y a bah Félix, nous avons allié. Donc bango c'est que juridiquement il faut pas contre la base, bas s'adhérer na IDPS, oh il y a vrai, il y a Bruno Tshibala. C'est vrai, c'est vrai. Tout cela qui m'ingne, en tout cas. Maître Naza, pas un juriste, la bimètre Naza Moussala, Tobingana, pourquoi? Alors, on est dans tout le monde déjà sont d'accord que le président Kabila a se représenté. Donc, président Kabila Zali, président, il y a Congolais tout, na Bandeli. Président Kabila Zali, président, il y a Congolais tout, il y a président, il y a majorité présidentielle, il y a président, il y a opposant. Il y a président, il y a combattant. Parce que, il y a mon cas, il est vrai combattant. Il a combattu avec son père pour libérer notre pays. Alors, le combattant peut être la banque Zali qui va se combattre pour libérer le pays. Alors, vous voyez, le président Labino, c'est le président Joseph Kabila Kabang. Pour y être à Bundaka, pour libérer le Congo. Alors, on est au que ce qui est le même combattant, vous que vous comprenez déjà. Mais surtout, pour libérer le Congo, il faut tout supporter le président Joseph Kabila. D'ailleurs, Koutou, tout le monde est payé en guerre, payé en occupé. Est-ce que vraiment, tant que pays est occupé, ils ont tant que pays est président, tous ont tant que pays est président, pour nous nous ensemble, pour combattre, pour libérer le pays. Et ça sera néanmoins. De la même manière, au courant de battre que tant que général de Gaulle a banné Bunda pour libérer la France, Natang a plein combat, au banné général Tika, parce que nous avons amené aussi Mbato, aux Bunda Bete. Alors, on a que ça contrayé. De la même manière, le pays est en guerre, le temps que le pays est en guerre, le président est en guerre. Donc, il faut supporter, il faut tirer la force. D'ailleurs, écoute, moi, j'ai une chance parce que la constitution a touché en 2011. Le juriste est vendu. Il a touché la constitution en 2011. Le cas a touché la constitution en 2011, compter raison à zéro. Donc, le nombre de mandats est bandi en 2011. Donc, en 2018, il a le droit à deuxième mandat. Donc cela veut dire, et ça bon parce que tant on a 2006, et c'est là qu'il faut que on a voté à deux tours, pour changer en haut. Ce n'est pas lui qui l'a touché. Binomo Bobi, t'es deux tours, t'es comme à deux tours. Donc cela veut dire, on y a libossé juridiquement, et ça compté sur T. Makambi Banda en 2011. Il y a un souri pour Tchatembe, Toké na Kote, Kote a koué bako. Qu'on décide. Et Salama, la bambouke belé, na France et Salama, na ba Sénégal et Salama, bon point n'y était que na Congo. Alors, on dénge za langwana, il faut que la moute ma malamu. Mouta batou, azana chance na ye, nenge botoucha a constitution na 2011, et pesye droit légitime pour na ako se représenter. Boutique la jalousie. La jalousie est comme maman na enfer. La jalousie est comme maman na moto. La jalousie est comme maman na koufa. Tout le monde a la jalousie envers les chefs. Parce que chef n'est pas un homme azali légitimé. Tout ce qui est le cas, c'est que les gens ne sont pas les gens. À chaque fois, avant de la constitution, la constitution. Welcome TV. Alors, see you after this break. Thank you. Sakineta olingi mboka, toyokana mbata.
to nyonso ya kongo to bosana lelo koswana to mipesa mpona ekolo to botama bakongole to potikala bakongole olinga te ekolo mosusu eyakokabola mboka biteni mitema ya bakongole tobota miso epai tokomi ezali kosambwa ya bonsoni totelema totelema tokata minyololo na maboko tolamuka toyokana potamba ekoki tozomisa mboka Sur instruction du chef de l'État, Joseph Kabila, commandant suprême des forces armées et de la police nationale, Kamina, Kitona, Lukusa et Kapalata, le revenu pour la professionnalisation de la police. Protection civile, lutte contre la criminalité, stupéfiants et drogues, sécurisme GTPI, MROPI, self-défense, armement et tir. Ordre serré criminologie. Conditions. Être de nationalité congolaise. Bonne moralité. Au moins 4 ans poste primaire. Âgé de 18 jusqu'à 25 ans. Et être sans antécédent judiciaire. Tout celui qui rêve et désire servir sous les drapeaux est prié de se présenter au commissariat provincial de la police, ville de Kinshasa. Les portes sont ouvertes jusqu'au 15 mai 2018. Bye.
Leica Mobile, we do things your way. With our new UK Plan Super, you can now enjoy 6 GB of ultra-fast 4G data, unlimited UK minutes and texts, plus 100 international minutes to selected countries for the low price of just £15 for 30 days. Experience a faster world with our 4G network. Terms and conditions apply. To order your free SIM, visit leicamobile.co.uk today. Your data, your way. Like a mobile. Air India, India's premier airline, carries forward its legacy of excellence. Air India soars to the number one position in Heathrow's Fly Quiet and Green ranking. Its Dreamliner aircraft is almost as quiet on the outside as it is on the inside, with spacious legroom and economy, flat beds in business class, delicious cuisine and a wide range of entertainment. You are sure to reach your destination fresher and less jet-lagged. Air India is the only airline to fly direct from London to Ahmedabad and Birmingham to Amritsar. To fly the number one quiet and green airline, contact your travel agent or visit airindia.in. Direct Line Home Plus insurance means if your electrical goods are lost, stolen, or damaged beyond repair, you have the choice of getting the cash or a brand new replacement delivered to your door. Right now, there's 30% off. It's good to deal direct, so take the direct line. Hi, this is Amitabh Bachchan. You're watching me on MATV. Yahoo, 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 je suis mon Luba. Toi aussi tu es congolaise. Je suis pas congolaise, je t'ai dit. Tu es congolaise? Non, alors ma maman est ici. Elle est congolaise? On est la famille congolaise. Qui t'a dit ça? C'est la tu sais, la famille des Tantikas. Ils sont la famille Luba, non? Mais ils sont des Congolais. Ils sont pas des Congolais à Kenya. Ils sont quoi alors? Ils sont des Luba. Mais les Baluba sont des Congolais, non? Non, ils sont congolais. Zambi wane, Zambi wane kula ya chizileyo.